Bonsoir, non pas c'est Lovelies Nadi, présidente de l'organisation Bienvenue dans Brésil. Je dis à nous venir aborder un sujet très important qui est dans la société haïtienne. Nous venons parler de socio-économie et nous venons avec un invité très important. Non pas c'est Erol Georges, il est un écrivain, il est un poète et il est un acteur. Nous retournons encore. J'aime dire déjà nous avons un invité vraiment spécial. Bonsoir Erol Georges. Bonsoir Lovelies. Bon, j'aime te dire, nous allons parler des socio-économiques pays Haïti. Bon, première question que j'aime gagner, si nous supposons reconnaître, invitez-nous. Est-ce que vous avez dit, nous, qui est, vous avez dit, moi, dit téléspectateurs et internet, yo, qui est-ce que vous avez? Jusqu'à avant, je vous salue chaque monde qui branche le canal là, et qui attend de nous dans ce moment ça. Nous saluons une grande salutation à toute communauté internationale là, qui supporte le pays là. Toujours appeler des familles, des amis, à gagner de quoi pour manger, pour survivre. L'autre fois encore, je salue pour me répondre avec la question qui est-ce moi? Je suis Erol Georges, je fais Tabar 27, commune Tabar, Port-au-Prince, Haïti. Je grandis Tabar, je fais l'école primaire dans l'école nationale de Tabar et puis je fais une partie secondaire dans l'institution mixte étoile de Tabar. Je commence à jouer théâtre très jeune, à l'âge de 7 ans. Nous commençons à monter scène, à jouer théâtre. Nous avons fait partie de un groupe qui s'appelle Explosion. Nous avons une passée artiste numéro 1. C'est-à-dire qu'en un mot, nous sommes capables de dire c'est Erol Georges. Je dis, nous sommes ce qui est petit dans la petite maman. Je ne suis pas papa, je suis maman, maman, je suis marié, je suis fortuné, papa, je suis Erol Georges. En un mot, je dis c'est ça, moi. Ok, comme vous avez regardé, nous tendez à la présentation invité noir, qui est un bon haïtien, un patriote, et qui est venu à Port-au-Prince, etc., qui connaît comment la situation haïtienne. Bon, comme vous avez déjà dit, nous vivons au Brésil, et lui-même tout la vie au Brésil. Je vous que vous dites, combien de temps vous avez vécu au Brésil? Bon, nous avons 4 ans, 7 octobre, nous avons fait 4 ans. Depuis que nous avons quitté Haïti, nous avons vécu au Brésil. Même très, très attaché. Avec situation pays moi parce que moi mes pays. OK, et qui dernière fois que vous visitez Haïti? Dernière fois que j'étais à Haïti c'est 2 avril 2019. Me fait un mois et demi, j'étais retourné dans le mois de mai 17 même j'étais arrivé au Brésil. OK. Comme vous êtes un patriote, vous me parler des pays, des situations, vous me commenter. Tant que vous dites nous internet yo téléspectateurs, qui sont pensés des sociaux, situation socio-économique en Haïti qu'il y a là. Bon, pour situation pays, nous allons essayer de garder, analyser, que ce soit monde qui t'a voulu parler de Haïti ou qu'on paquet de paroles ou capable de dire. Elles sont comprennent. Parce que nous vivons dans une situation qui est très critique. Toute nation a critiqué nous. Pendant ce temps, nous n'avons pas eu de monde qui a pensé pour nous. OK. Bon, il y a une philosophie n'ta ramen démenti qui toujours parle en Haïti n'ta ramen démenti. Tant qu'on yo dit que dominicain la guerre produit dans l'air qui détruit système agriculture nous yo ensemble avec élevage nous yo. Et critère capable dire. Un par exemple, si on parle de développement yon pays, soit parle de développement yon pays ou premièrement agriculture. OK. Haïti ils vont côté pas gagne manger. Haïtien pa gen manje pou yo manje nan peyi yo. A majorité sa n'ap konsome nan peyi a, se prodwi nou achete nan men vwazen ki sorti se prodwi importe. OK? Ki jo konprann ou pa jere ekonomi yon peyi pandan se tan ou pa prodwi se selman achete ou achete. Ou pa eksporte ou fè selman importasyon. Tandis tout bagay sa nou kapab mete an kesyon. An pa egzanp sou le plan agrikiltu. Lòg yon pye mango ou lever ou jeune mango ça te pou n'a donné de petit ou vin grand moun ouais mango a pas donné encore qui sorti a moun ka ou et dominique tu et puis mango a puis mango ça ou te de pou petit ou te qu'on a dans jardin avec papa ou c'est papa qui te qu'on a récolté pour mais pourtant c'est pas papa qui te planté qui a si te planté c'est grand papa qu'on a grand mango ça ou garder ou te qu'on a mangé qui toujours bay peuple a manger a dit que t'as sous 3 générations qui dure de vie. Yon pied mango. Yon pied mango, si l'on bon terre, l'a donné environ 70 ans à 100 ans. Selon terre.
qu'on a laisse sans temps arriver, il pas qu'à donner encore il a soit mourir ou soit ou pas jeune fruit encore. Est-ce que nous capable dire c'est produit qui tue? Qui tue? Non. C'est-à-dire que Haïti pas produit, agronomie pas travail encore. Qui tue va être pas travail. Tout petit monde qui en dehors, yo pas prendre le jardin à la relève, yo quitte terre en dehors, l'été à faire rac, yo seulement entrer en province pour couper bois ou faire charbon. Les gens entrent pour tout prendre, c'est seulement Chita dit, président pas fait. Pour changer le système du pays, président là pour nous un certain de atouts, ouvrir un certain de portes, créer un certain de moyens pour nous capables de finances, pour nous capables de travailler. Mais tout le monde démissionne ensemble avec Tiwel. Habitants, pas amis, puis quoi encore avec ces bêtes, ça y aurait les couteaux d'Igo dans plusieurs autres régions dans le pays. C'est-à-dire que c'est tout le bagage qui fait l'argent pour nous. Descend et nous venons pas manger pour manger. Ok? Qui ça nous capable de dire? On pièce à Boca. Il commence à donner après 4 ans. On pièce à Boca. Il commence à donner après 4 ans. Durée de vie maximum, c'est 70 ans. Quand on voit là où tu es levé, tu es jeune grand-papa qui est récolté dans le jardin. Dans pièce à Boca, ça. Génération arrive où elle va donner encore. Ou elle va être la tête pas bâillée encore. C'est pour nous planter, pour nous récolter. Ok? Il y a un système nous capable de dire encore dans le dossier ça. Nous toujours tendons à dire que ce sont certaines familles, classe bourgeoisie qui bloquent le pays, qui fait le pays à pas développer. C'est parce que Haïti a une équipe d'artistes qui a patrie. Nous n'avons pas patriote, nous chantons le mot Haïti, nous profitons des situations peuple pour être capable de chanter bel texte, belle histoire, en façon que pour être capable de multiplier la fortune. Malgré la situation du pays, bel jazz n'a pas jamais bouqué, fait gros programme pendant ce temps, il y a plus de comme malheureux. Qui j'en nous capable dire encore un par exemple si ensemble jazz yo l'on prend Zinglin l'on prend Jacou l'on prend tout grand chanteur célèbre de ça qui dit yo boss yo yo ta met tête ensemble yo dit que y a supporté agriculture et élevage wali habitant la terre a fait élevage et agriculture Haïti t'a bien poisson nous t'a posé plus poisson nous pas t'a acheter poule dans mes étrangers. Parce que vous-même, vous avez pris une propre usine qui est capable de faire ni pour glacer et qui est capable de produire des œufs dans le pays pour manger. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que pour parler de l'évolution économique en Haïti, nous devons prioriser premièrement l'agriculture. Le système élevage, nous devons travailler sur lui encore. Je ne dis pas que le système cochon créole là encore, qui est un moteur économique haïtienne. Est-ce que vous comprenez? C'est tout genre de système ça, pour nous essayer de manger. On allez. Si nous t'as dit que ensemble des stars, ensemble des jazz haïtiens, ça qui a une passion à travers la terre, qui a voyagé dans tout le pays, ils ont dit que mettez tête ensemble et bail support. Parce que il y a un pile organisation. Jeune a fini d'étudier agronomie, fin fait tant, qu'on y a qui s'allie. Il y a un projet écrit, mais il n'a pas de finance. Si l'État dit qu'il pas financé, on oublie l'État. Si ça nous est le secteur privé ou soit bourgeois, il pas veut faire. Kounya nous dit en blier yo. Kounya artiste dit yo même, il a coopéré qui j'en nous capable aider et supporter ba yon assistance sociale avec habitants qui t'a remet travail la terre, avec moun qui t'a remet faire élevage, prêter, faire yon prêt ensemble avec moun sa yo. Yon prêt enregistré sur le plan juridique que moun a gagne exigence pour remettre l'argent ça. On pense que système grand groupe qui a développé Haïti a, il t'a diminué. OK? Deuxième point encore nous capable prendre à faire les jeunes sortis bas et vina produit à PDP à développer nous voulons parler tout avec système ghetto encore qui gagne un bon fonction la donne les ça y aurait les bourgeois qui parlent évolution fait en dans pays qui sont fait qui ça fait ils voient même qui sortent dans ghetto ali bon somme l'argent pour actuel le actuel qu'il y a projet de gagner qui était capable aider n'importe 300-400 monde. Qu'on a qui ça fait projet a tombé ou toujours est en bas même système là qu'on a ghetto yo même yo gagne pour devoir pour yo pas faire deal tuer monde qui vient avec un projet qui a bon pour pays à tout afin nèg la cacher la calé puis il vient pour zamba ou pour te cob baou pour aller cob la prêter la ca ou pas prêter en juillet parce que les gens là font complot pour faire tout yo pour parole ni pas parler et puis nous gon l'autre pour social n'a mettre en dedans système là encore qui c'est ti malfaiteur bon la caille. Malfaiteur, voilà qui vient fonctionner. Ou bien boutique là, là où la boutique là peut voler.
il pas quitter les voliers non li wè ki jan capable tuyo li capable de tout nous avec fétiche qui vient faire que en pays jan ka Chili combien Chili a te doit prendre investir yo faire un business yo faire une boutique c'est malfaiteur encore qui a chassé zone c'est à dire que pour parler de évolution économique pays d'Haïti c'est pas seulement gouvernement nous gen système malfaiteur à tout pour nous analyser nous gen système ghetto à tout capturer moun pour moun pour bloquer système business moun nan pour nous essayer analyser et nous gagner système artiste de tout pour yo collaborer et aider créer un système de crédit pour ba avec habitants nan que ce soit pays si habitant pas travail si habitant démissionné qui est-ce qui a produit pour nous si habitant lui même dit comme ça bon moi même avec piqua t'es marié avec ou sépète à manchette me démissionner me pas travailler avec encore me pas ami avec encore qui j'en a fait je ne mange si habitant pas travail manger pas qu'à descendre la ville c'est tout bagage ça yo pour analyser système malfaiteur système artiste qui travaille pour faire fortune qui pas aimer pays faut que pas seulement chanter dans mon pays mais faut que prouve dans mon pays pas de y a pas imagine là prend tu José ni yo nèg qui a plus que 10 ans de succès dans musique haïtienne là. Ce n'est pas le moment pour prier pour sponsor, mais c'est le moment pour chercher pour faire sponsor. Bagay la pas même avec les États-Unis, ou pas faire succès à même gens, ou pas faire comme la même gens, mais bagay pas petit tout. Vous comprenez? Nèg yo, longtemps, l'on parle de grand homme, ou est-ce que c'est un monde qui a un ensemble de caractères qui pensent pour pays et intérêt collectif. Je dis aujourd'hui, nèg yo change le système ça. L'on parle de grand homme, c'est seulement qu'on comble un paquet de millions sous canet. Et puis faut artiste surtout ça yo fait yo wè situation pays ya c'est États-Unis y'a pas acheté caille y'a pas acheté caille Miami Canada et puis y'a fait wè que yo connait acheté caille belle bien loin puis vos sénateurs nous c'est là tout yo veut petit yo famille à vivre c'est-à-dire que faut nous essayer remettre Haïti et participer dans l'évolution économique c'est une bagaille moi même me penser. Très belle réponse nous sommes très proches que Erol George sort fait sur socio-économique haïtien. En fait, nous avons une question pour vous, très courte. Comment faire approche du secteur agronomie en Haïti? Et comme dans tout l'autre pays, pour le secteur agronomie avancé, nous avons utilisé des machines, nous avons utilisé des technologies. Qui je pense que le gouvernement haïtien lui-même est capable de collaborer pour être capable d'aider le secteur agronomie développer ou bien avancer dans ce sens. Premier bagaille, je voulais pour tout haïtien mettre en tête yo, important c'est volonté. Pour entrer avec système production électrique là, qui sont pas besoin, ou pas besoin d'énergie. OK? Ou pas besoin d'énergie et nous capable nous presque gain 8 ans. Nous va gain 8 ans depuis que le gouvernement pouvoir en place ça, il promet énergie parce que quel que soit pays qui t'a voulu développer, faut qu'on parle d'électricité. OK? On allez. Kounya l'état gagne des voix parle et secteur privé a gagne des voix parle. Si secteur l'état pas ba nous courant, nous gagne volonté pour nous faire qui ça lié, c'est quoi? M'acheter une génératrice, un système génératrice qui capable aider compagnie m'a faire, un plaisir m'a faire et puis un produit on vend sur marché. Kounya qui ça pas lié? Nèg yo gen sponsor, artiste yo gen sponsor, ou e net pou Asian Fresh, ou e video la fè a sac l'argent tout ça yo. Mais ba ou moun $50 pou le manje, c'est pas li problème, c'est pas li solution avec problème nan. Mais aide moun nan kreye yon système pou jwenn $50 sa lèl bezwen pou le manje, c'est li ki solution. OK? Ça me pense, système nan bon. Ou pran système pou la. Est-ce qu'on meka ou fon agriculture mécanisé a? C'est le cap bon pour nous. Mais je ne veux pas attendre depuis la pluie tombe inondation. Qui ça lié? Ces zones qui te comme travail la terre, qui te comme bail pays à manger, moun yo pas travail la terre encore yo fait caillou mettre dans ferme. Les la pluie tombe tête te comme passer pour user jardin, hein. Li pas jeune jardin pour user c'est dans caillou ni entrer. C'est-à-dire que façon moun yo construit à tout, faut nous essayer pour ton coup d'œil parce qu'on pas qu'à craser jardin, zone pour qui fait manger produit manger pour faire construction caille. Tout ça nous gagner pour analyser. OK, qu'on y a nous gagner peut-être qu'il y a avant dernière question pour vous.
D'accord, on m'a dit que pour le secteur culturel là, il embrasse le secteur agronomie en Kounia là. Mais si le gouvernement qui c'est chef, qui c'est lui-même qui a doué à développer quelques projets pour aider le secteur agronomie, qui j'en pense que des artistes ou bien le secteur culturel là capable associé avec ce secteur agronomie pour aider les pays à avancer ou bien pour aider les pays à développer. Bon, je vais vous montrer ce qui est simple. Si nous disons que nous sommes en train de faire le gouvernement, fait un bagage pour nous. On va dire que je vais dormir sans souper, on va me souper. Non? Si je vais sans souper, ou te manger, on va dormir sans goûter rien, à goût partout. Là où un système pas bon pour vous, si tant que le gouvernement n'est pas fait, tout le monde va croiser pour regarder le gouvernement pendant ce temps là pour le gang. Un exemple, si ensemble des joueurs de football qui ont joué dans la communauté internationale, si ensemble des artistes, chanteurs, gens qui ont flotté le drapeau Haïti, si tout nous mettons ensemble, un exemple, un joueur de football qui a touché 850 000 euros par an, un joueur de football qui a touché 250 000 euros par an. Vous comprenez? Si ensemble des pays, des gens qui ont construit, qui ont créé des empresas en deux pays, qui ont fait des compagnies, qui ont fait poule, compagnie qui ont fait viande, compagnie, vous comprenez? Il a investi comme dans le pays. Vous comprenez? Même si le président n'a pas parlé, au moins l'obligé de faire façon pour faire plus comme avec nous. Façon pour lui faire pour faire plus comme avec nous. Nous avons proposé ça le besoin. Un exemple. Je fais une compagnie poule en Haïti. Poule moi a fonctionné, c'est gaz m'a brûlé chaque jour. Le gouvernement veut faire plus que je demandé pour l'État bon courant. Si l'État bon courant, mais ça m'a fait moi-même. Pour connaître que l'État vient exiger exigence sur bon courant. OK? Ça qui est important, c'est nous tous pour mettre ensemble. Ce n'est pas seulement le gouvernement, notre pas qui a crasé le pays. Les journalistes qui ont crasé le pays. Tout. Parce que ça qui est important, les journalistes pas qu'on a fait buzz. Ou pas qu'on a une nation. Est-ce qu'on comprend? Lorsque les journalistes ou les nations sous responsabilité ou sous conscience pour former, pour éduquer, ou pas là pour faire nouvelle ou là pour faire nouvelle. Mais lorsque on se casse, on va faire analyse penchant. Ou qu'on comprend que je mette une nation dans le trouble. Nous sommes capables encore, si les haïtiens en Haïti, ils ont trop négligé. Lorsque les gens, je dis après, c'est qu'ils battent encore. Parce que je regarde au Brésil, au Japon, si mon 12-13 ans a fait évolution et robot, hein? Nous négligeons Timounio qui c'est avenir nous. Là nous finissons négliger Timounio et puis nous pas collaborer tout on a pour nous gagner millions, pour nous gagner moins de boss. C'est-à-dire que nous pas un intérêt collectif et mon qui ouais intérêt collectif là, il pas arrêté. C'est ça pour nous penser parce que nous capables gagner Haïti, même si nous gagnons Brésil aujourd'hui, même si nous gagnons Chili. Et je pense que fierté nous c'est pas le même bout de visa, mais fierté nous c'est parce que je suis haïtien. Très bien pour l'approche là. Bon, en fait, il fait une approche sur le secteur éducationnel qui nous a négligé. Je pense que dans le prochain épisode que nous avons gagné, nous avons parlé et nous avons posé des questions avec l'autre invité sur la question. Comment la société a été, comment nous avons roulé ensemble avec le secteur éducationnel. Bon, pour nous finir, nous avons une dernière question pour Ewol George, qui est un écrivain, qui est un acteur, qui est un poète, tout ça. Dernière question que nous avons pour nous finir, quel message que vous avez pour la jeunesse, quel message que vous apportez pour le peuple haïtien qui vit dans une situation désagréable pour nous là, c'est quel conseil que vous apportez pour nous? Bon, conseil m'a gagné pour peuple haïtien, peuple vaillant. Je ne veux dire si nous fierté nous rester seulement dans l'histoire, mais dans le moment présent nous pas faire un acte de grandeur. Parce que les haïtiens parlent de fier, nous c'est haïtien, ils parlent de 1804. Après 1804, nous pas jeune dans quel mot, nous pas jeune leader, nous pas parler comme acte de grandeur. Conseil m'a gagné pour nous, nous dans mes jeunesse à les réveiller dans ce média. Dans mes jeunesse haïtienne là, les réveiller. Et je pense que pour toute société haïtienne, on prend conscience. Pour bien là, c'est conscience. Ce n'est pas faire politique pour détruire, mais on fait politique pays pour nous sauver fierté pays. Mettez-nous ensemble, collaborer une avec l'autre,
aider l'autre après pour à faire profit et remet l'autre pareil pour tes talents façon à évoluer et pas vivre égoïste, mais tête nous ensemble. Je pense que c'est l'unique bagaille qui est capable aider nous à sortir de la crise, qui c'est l'union fait la force. Très bien, bon, c'est là que nous avons fait dans l'interview que nous avons eu avec acteur et écrivain et poète Erol George. Nous disons merci aux mêmes qui assistent à la vidéo. Nous ne pouvons pas oublier d'abonner avec Chanel ça pour qu'il y ait plus de vidéos intéressantes qui parlent des situations pour nous, pour nous être capables de réveiller nous et de faire un bagage pour nous changer, pour nous mettre nous debout et commencer à une façon pour nous développer le pays. Nous remercions encore. Pas oublier, abonner et puis à la prochaine.